Non, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où il habite. Il travaille sans doute, il a une bonne situation, de l'argent. Au moins un peu, enfin, il me semble. On se disait vous au début, puis on est passé au tu. Même son prénom, je ne le connais pas, ni son métier. Je ne savais pas grand-chose sur elle. Enfin, si. Des choses intimes. Non, pas intimes. Des choses sexuelles, appelons un chat un chat. Mais pas le reste. Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle avait été mariée? Je ne sais pas. Je ne connaissais pas son nom, ni en général rien de personnel. Nous ne parlions pas de tout ça. Ça ne me gênait pas. C'était comme ça. C'est tout. C'était une relation sexuelle, oui. C'est l'adjectif que j'utiliserais. Notre relation devait être purement sexuelle. Hein? Devait. C'était une relation qui... Enfin... Une liaison pornographique. Une liaison purement, spécifiquement pornographique. Bonjour. Oui. Bonjour. Je ne vous imaginais pas aussi grand. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Vous faites quelle taille? 1m82. Ça vous dérange que je sois grand? Non. Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Vous voulez boire quelque chose avant qu'on... J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel sympathique, juste là, derrière le coin. J'avais peur qu'il n'y ait plus de chambre de libre et qu'on soit obligé d'aller dans un endroit glauque. Alors? Alors quoi? Vous voulez bien qu'on... Tout de suite à l'hôtel? Vous voulez d'abord finir votre cognac? Non, non, ça n'a pas d'importance. On y va. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Allons-y. Oh, c'était bien. Oui, bien. C'était aussi un peu décevant. En fait, c'était... Bien, mais un peu décevant. Excusez-moi, j'ai été retenu le trafic. C'est pas grave. D'habitude, ce sont les femmes qui sont en retard. Enfin, c'est ça le cliché. Bonjour. Oui, bonjour. Et d'habitude, ce sont les hommes qui oublient de dire bonjour. Et au revoir et merci. Mais, enfin, c'est ça le cliché. Oui, c'est ça le cliché. Mais vous aussi, vous avez oublié de me dire bonjour. C'est vrai.